Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Coucou tout le monde. Coucou Ticia, bonjour Maritine, Cathy, Florence, Émilie, Mumu, Marianne, Nathalie, coucou Fabienne. Alors vous allez tout de suite me dire si vous m'entendez. Bonjour Corinne. J'ai le son qui se coupe pas. Bonjour. Bonjour Sandrine, bonjour Monique, Munich, ça commence bien. Super, merci Fabienne. Génial. Marie-Hervé, vous êtes nouvelle. Bah écoutez, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment. Je suis Harmonie Marais, démonstratrice tampinum depuis janvier 2020. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Lily et vous allez voir pourquoi. Bonjour maman, coucou Patricia, comment ça va ma belle? Marianne, ok pour le son aussi, super. Bien, ça c'est parfait, c'est l'essentiel, il faut qu'on sache ça dès le début, on perdra un petit peu moins de temps. Coucou Coco, comment vas-tu? Ah super, je suis contente que t'aies pu te libérer, c'est super. Émilie, Émilie. Oui, ça va bien, Patricia. Je te remercie beaucoup. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau live. Donc, je le disais aux nouvelles personnes qui nous rejoignent aujourd'hui. Bonjour Corinne, aussi est nouvelle. Eh bien, bienvenue Corinne. J'espère que tout va bien. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie pour ce nouveau live. Donc, je suis Harmonie Marais, démonstratrice Stampin' Up. Et chaque mercredi, on se retrouve à 14h. Pour un nouveau live créatif. Coucou Chantal, tu vas bien? Bonjour Lydie, bienvenue. Bienvenue, bienvenue. Je vois qu'il y a plein de nouvelles personnes aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de vous accueillir. J'espère que vous passerez un bon moment vraiment. Coucou Brigitte. Oui, j'ai vu Florence. On a déjà des intrus, mais bon, je sais que vous êtes nombreuses à les bloquer quand il y a besoin. Je sais que je peux compter sur vous. Donc, je vous remercie sincèrement. Pour tout ça. Bon, Chantal, je suis contente que tu ailles bien. Alors, commençons par les petites nouvelles du jour. Vous le savez, depuis hier, ça y est, la collection Jardin d'Éden est disponible. Laurence, tu peux scraper aujourd'hui? Super, c'est génial. Merci Coco d'avoir bloqué le marabout. Et cette collection Jardin d'Éden, elle est juste magnifique. Je sais qu'il y en a parmi vous qui l'ont déjà reçu. Stampin' Up et UPS ont fait un super boulot. Là, ça va super vite, donc c'est génial. Il y en a qui l'ont déjà. Parce que non, non, Brigitte, je fais juste un sourire. Je rigole pas pour toi, t'inquiète pas. Coucou, Viviane, comment vas-tu? Alors oui, Fabienne, effectivement, tu l'as reçu. Toi, j'ai vu ça ce matin. Ça marche super bien. Coucou Mému, tu sais pas lire sur les lèvres, zut alors. Et elle est vraiment magnifique, je sais qu'elle vous plaît beaucoup. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas encore, regardez à l'écran, je vous l'affiche. Elle est magnifique. Et pour fêter l'occasion, je vous rembourse les frais de port pour l'achat de la collection complète. Je sais qu'il y en a qui ont déjà craqué. Et ça me fait super plaisir. La deuxième info du jour. Elle concerne les accros du scrap comme moi, les fans de Stampin' Up qui auraient envie de se faire plaisir. Stampin' Up, dès demain. Moi aussi, je lui fais un gros gros bisou à ta petite Louise Cathy. Je l'embrasse fort fort. Et toi aussi d'ailleurs. Stampin' Up nous fait encore une offre incroyable à partir de demain et ce jusqu'au 30 novembre. Vous l'avez sûrement déjà vu passer quelque part et je vous montre ça tout de suite. Regardez. Ah, je fais durer le suspense, vous avez vu? Je fais durer le suspense. Voilà, ça y est. Coucou Nathalie. Dès demain, pour les personnes qui souhaiteraient rejoindre la famille Stampin' Up et pourquoi pas mon équipe, la Team Harmony Scrap. Stampin' Up vous propose d'intégrer la famille pour 100 euros seulement. Vous choisissez 175 euros de produits
et vous n'en payez que 100. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu le bénéfice que vous faites. Vous pouvez vous faire super plaisir et par la suite en profiter pour continuer à bénéficier de réductions. Donc ça, c'est génial. D'ailleurs, à ce sujet, si vous avez des questions, je vous invite vendredi, donc à 10h, pour un Zoom, pour répondre à toutes vos questions, à toutes les questions que vous pourriez vous poser pour rejoindre mon équipe. Voilà, donc vous avez le lien dans l'événement sur ma page Facebook Harmony Scrap. Et du coup, je vous invite à vous connecter donc vendredi à 10h grâce à ce lien et venir me poser toutes les questions que vous pourriez avoir à ce sujet. Voilà, voilà toutes les infos. Oui, go. Alors, Mumu, tu as reçu la collection Eden. Du coup, la collection Eden gratuite. Oui, tu as raison. La collection Jardin d'Eden, bah, vous l'auriez gratuitement, puisqu'en plus, les frais de port vous sont offerts lorsque vous prenez votre kit de démarrage. Donc, voilà un exemple. Super, Mumu. Merci beaucoup. Un super exemple de ce que vous pouvez obtenir en remplissant donc votre agrément et en devenant démonstratrice en pin-up et en rejoignant mon équipe. On peut se lancer une deuxième fois. C'est super cette promo, ma coco, je suis pas sûre. Mais bon, ça serait dommage. Tu perdrais les avantages que tu viens d'acquérir cette année. Donc non, ça vaut pas le coup pour toi, ma belle. Reste comme ça. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire une carte pyramide. Elle est vraiment super sympa à faire, vous allez voir. Très très simple. Tellement simple d'ailleurs que la choupette que vous voyez là, l'a réalisée ce week-end. Voilà, en prenant la fiche technique, puisqu'elle n'avait pas encore la vidéo. Et du coup, elle s'est amusée à la reproduire. Mais vous allez voir un petit peu différemment de celle que je vous propose aujourd'hui. Vous voulez que je vous explique? Bougez pas, on va changer de caméra tout de suite. Hop, et voilà, on est en bas. Coucou. On a basculé en bas. Alors, vous la voyez ici, cette super petite carte pyramide qui s'ouvre comme ceci. Voilà, qui est toute simple, qui tient dans la main, qui, lorsque vous l'envoyez, peut se fermer, hop, et se mettre dans une enveloppe. Donc ça, c'est top aussi. Donc ça, c'est la version que je vous ai proposée, donc, pour la présentation du live. J'ai utilisé, bien sûr, la collection Splendid Fantasy, qui est une de mes chouchous du mini-catalogue août-décembre 2021. Vous le savez, d'ailleurs, c'est le papier que j'utilise. J'utilise pour la crop. Donc, je l'adore. Alors, Corinne, si je commande pour 175 €, je ne paye que 100 €, mais est-ce que les frais de port sont remboursés? Alors, pas besoin de remboursement de frais de port si vous choisissez de devenir démonstratrice, Corinne, puisque les frais de port vous sont offerts lorsque vous signez votre agrément. Tout simplement. Où est Chouchou? Eh bien, Chouchou, il travaille, ma Fabienne. Oui, elle est super simple. Oula, j'ai fait bouger les caméras. On se calme. Elle est... Ah, c'est ça qui vous fait rire? Oh, mais si, vous allez voir, ça va le faire. Corinne, je vous invite, si vous voulez, à participer donc au live vendredi matin. Je pourrai répondre avec plaisir à vos autres questions sans problème. Alors, pour cette petite carte, je vous disais, Lily l'a réalisée ce week-end. Est-ce que tu veux bien nous montrer, Lily, s'il te plaît, ta version? Non, 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 c'est l'autre que je veux, moi. Oui, mais attends, je vais montrer celle que j'ai fait après. D'accord, d'accord, d'accord. Donc, la première de Lily, c'est celle-ci, qu'elle a fait avec des anciens papiers Stampin' Up qu'on avait encore en stock à la maison. Voilà, elle est très très jolie. Voilà, avec les petites feuilles de houx aussi, dorées, qui sont magnifiques. T'as des cœurs partout. Donc voilà, il y a plein de petits cœurs, oui, t'as raison. Tu as raison. Donc ça, c'est la petite version de Lily. Alors, n'hésite pas de plus, Harmony est une super marraine. Oh, merci beaucoup, Mému. Ah, t'as vu tous les petits cœurs? Elle devient toute rouge comme sa maman. C'est pas la fille de sa mère pour rien. Alors, est-ce qu'on te voit à l'écran, ma chérie? Non. Alors, attends, tu veux que je me pousse? Voilà. Non plus, mais c'est pas grave. Attends, je vais me décaler encore un peu. Voilà. Et donc, on vous disait, je vous avais dit que je vous parlerais de petites astuces concernant cette fameuse carte.
bien l'astuce, c'est Lily qui va vous la montrer et pourquoi pas vous l'expliquer. Après toi, madame. J'ai réalisé aussi cette pyramide. Oula, on voit bien. Oui, là. Oui, on voit. Mais du coup, faut que tu la tournes. Attends. Voilà. Sauf que elle est beaucoup plus grande que, que les autres. Voilà, Lily a fait une version géante de la carte pyramide. Vous avez vu ça un peu? Du coup, vous aussi, vous allez pouvoir faire les dimensions que vous voulez à partir du moment où votre papier design va suivre en fait la base de votre carte en uni, en fait, tout simplement. Voilà, la carte géante. Si on les met l'une à côté de l'autre, regardez, on a la grande et la petite. Voilà, donc ça c'est la réalisation de Lily, sa grande version. Voilà, c'est top hein. Donc du coup, vous voyez, vous pouvez le faire vous aussi. Oui Corinne, pour les repas de Noël aussi, exactement. Mais il y a plein de possibilités en fait avec cette carte. On peut imaginer aussi de la poinçonner sur deux côtés par exemple, avec un die assez grand. Oh, vous êtes trop mignonne. Elle a fait le papa. Oui, elle a fait le papa et puis il y a la petite fille. Et du coup, on peut faire la taille au-dessus si on veut aussi. Et donc, je disais, si on utilise un die, voilà. Bon, alors sur la grande version, c'est un peu plus compliqué. Hein. Ça, c'est sûr que ça passera pas dans la machine. Mais bon, sur les tailles intermédiaires, on peut imaginer donc cette découpe au die ici sur deux côtés. Par exemple, et du coup mettre une bougie par exemple à LED, voilà, qui permettrait d'illuminer un petit peu tout ça. C'est une tour Eiffel. Merci. Pas très loin, hein, pas très loin. Donc voilà. Alors, on va démarrer donc la création. Moi, je suis restée sur le petit modèle hein, pour le live, mais du coup, je vais vous expliquer. Vous allez voir, la subtilité est hyper simple pour pouvoir faire aussi aux dimensions que vous voulez. Je te laisse ça, ma chérie. Merci. Tu te décales un chouïa. Voilà, que je sois face au truc. Mais tu restes avec moi. Alors, donc je vous l'ai dit, celle-ci avec Splendid Fantasy. Merci beaucoup pour les aimants. On peut en trouver où alors, les aimants, Émilie, eh ben écoute, simplement Amazon, hein, y en a plein. Coucou Sylvie, comment ça va? Oui, les aimants, pour l'instant, je les prends sur Amazon. Rapport qualité-prix, c'est plutôt correct. Alors, c'est parti, on va démarrer. Vous allez voir, il ne vous faut pas beaucoup de matériel pour la création de cette carte. Donc, pour celles et ceux qui vont nous rejoindre, par exemple, en replay, vous aurez donc sur le blog harmoniescrap.fr, vous aurez la fiche technique, le replay de la vidéo, les photos des créations et la liste des produits que j'aurai utilisés pour la carte de présentation. Mais également pour la carte que je vais réaliser aujourd'hui avec vous. Ah, coucou Claudine, comment vas-tu? Super, t'arrives au bon moment, on va juste commencer la création de notre petite carte ensemble, la carte pyramide. Donc celle-ci, qui s'ouvre comme ceci. Et Lily, donc ma fille, vient juste de nous présenter la version, la version géante, voilà, que vous pouvez vous aussi réaliser. Coucou Fabienne, comment vas-tu? Alors, pour ce qui est du matériel, vous avez besoin d'un morceau de papier design, enfin de trois morceaux papier design, en l'occurrence aujourd'hui de 8 par 8 cm. Oui Corinne, pas de problème, t'inquiète pas, je vais t'expliquer ça, tu vas voir, ça va être super simple. Il y a juste un petit truc à savoir et du coup... Après, tu pourras faire les dimensions que tu veux. Pardon Corinne, je te tutoie. Je ne t'ai pas demandé la permission avant. Donc, n'hésite pas à me dire si ça te pose un souci. Je suis confuse. Je pourrais donc, expliquer. Oui, tu pourras expliquer, bien sûr. Pas de souci. Je donne les mesures pour aujourd'hui et puis tu enchaînes en expliquant le principe. Ça te va? Oui. Ça marche. Donc, pour aujourd'hui, il vous faut 3 morceaux de papier uni pour la base de carte. Donc, c'est les mesures que je vous avais indiquées dans la présentation du live. Donc, je suis partie sur le rouge, ok. Je vais utiliser la collection
du mini catalogue Noël en peinture. Donc vous aurez toute la liste des produits que j'ai utilisés sur mon blog après le live. Donc 3 morceaux de papier unis, 8 par 8 pour la base de la carte. Ok ? Ensuite, un morceau, pas de problème, pas de souci pour le tutoiement. Parfait Corinne, merci beaucoup. Et encore une fois, toutes mes excuses d'avoir anticipé. Un autre morceau de papier, donc le papier blanc, pour écrire votre message sur la carte, qui lui mesure 7,5 par 7,5. Nous avons notre petite Cathy d'amour qui vous marque les mesures aussi sur, dans les commentaires. Donc, base de carte 8 par 8, le blanc 7,5 par 7,5, d'accord? Et 3 morceaux de papier design qui font également 7,5 par 7,5, d'accord? Mis à part après, vous le verrez, la déco, des embellissements, etc. Voilà, pour ce qui est du papier, vous avez uniquement besoin de ces 7 morceaux de papier. Donc 8 par 8 pour 3 morceaux pour la base de carte, 7,5 pour le blanc pour écrire votre message, et 7,5, 3 morceaux de papier design. Voilà, c'est l'essentiel du matériel dont vous avez besoin. Ok Claudine, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Coucou Jamila, comment vas-tu? Je suis ravie de te voir aujourd'hui. Si vous avez bien entendu les mesures, vous avez remarqué que mon papier uni ici fait 8 par 8 et que mes 4 autres morceaux de papier font 7,5 par 7,5. La subtilité est là. Je vais laisser Lily expliquer. Faut que tu parles suffisamment fort, ma chérie, pour que tout le monde t'entende et qu'on te voit. Voilà. En fait, c'est très facile. Parce que si vous voulez le papier uni, la base, si vous voulez qu'elle fasse par exemple 16 cm, et le papier blanc et le papier design, il fera 15,5. C'est ça pour toutes les mesures. Si par exemple c'est 20 cm le papier uni de base, et ça sera le papier design et le papier blanc simple, ça sera 19,5. Et en fait, c'est tout facile. Voilà. Donc en fait, comme ce sont des carrés à chaque fois, votre papier uni, par exemple, comme elle vient de le dire, fait 20 par 20. Donc c'est les dimensions du papier qu'elle a utilisé pour son grand format. Elle a fait du 20 par 20 en base unie. Et effectivement, il suffit simplement pour le papier uni et pour le papier design de réduire de 0,5 à chaque fois. Donc c'est super facile de faire les dimensions qu'on veut. Alors on peut même pousser au 30-30, voilà, vos papiers 30-30. On peut pousser aussi loin que ça, puisque du coup on a aussi du papier design imprimé. Donc voilà, les possibilités sont presque infini, mais pas tout à fait, ça dépend de la taille du papier que vous avez, mais sur le principe, vous pouvez pousser jusqu'à 30 cm pour la taille de ces cartes. Coucou Delphine, tu vas bien ma belle? Voilà, vous avez le détail, le petit truc pour pouvoir faire ces fameuses cartes pyramides à la dimension que vous le souhaitez. Le petit conseil qu'on peut vous donner par expérience, avec le grand modèle là de 20 par 20, c'est de prendre des aimants un petit peu plus forts. Donc parce que j'en ai pris des petits pour la petite carte, d'accord? Quand c'est un modèle un petit peu plus gros et qui a un peu plus de papier, de hauteur, etc., du coup, prenez des aimants qui sont un petit peu plus costauds. Voilà, je pense que vous savez tout. Du coup, on va pouvoir démarrer la création de cette carte. Ça marche? Alors, on va prendre tout de suite notre papier uni, donc la base. Vous allez voir à quel point c'est facile. Je pense qu'on peut même les assembler et créer un sapin. Oui, non mais en fait, cette carte-là, elle dispose d'un tas de possibilités qui est assez incroyable. Ça me fait penser du coup, si vous voulez participer au tirage au sort, chaque semaine, je vous demande d'inspirer les autres grâce à vos créations. Donc, postez sous le live en commentaire jusqu'à jeudi soir vos créations avec vos modifications, avec voilà ce que ça vous a inspiré pour inspirer les autres aussi. Et je ferai un tirage au sort parmi les participations
pour une personne qui remportera une... Tiens, et si on mettait la tienne, non? Tu veux l'offrir? Oui, moi je veux bien. Voilà, une de nos cartes qu'on aura créée, une de nos cartes pyramides, donc celle de Lily ou les miennes, et on vous l'enverra. Ça marche? Ok, allez, cette fois c'est parti, on démarre, vous allez voir. Donc cette fiche technique, vous allez l'avoir. Coucou Karel, bon courage ma belle. Oui, c'est toi qui as gagné ma routine la semaine dernière. Cette fiche technique, donc vous l'aurez hein, sur le blog après le live. Ok, vous avez toutes les explications, c'est hyper simple. Le principe, c'est pliage, découpage en diagonale. Rien de plus simple. Ok, ça marche? Donc ici, pour mon 8 par 8, je vais venir plier en diagonale mes trois morceaux. Ok, et ensuite, pour le papier design et le papier uni, il suffira de venir couper cette fois en diagonale, dans le même sens, pour assembler tout ça. Ça marche? Alors, soit vous prenez votre coupe-papier, soit vous prenez votre petit plioir pour faire vos plis avec une règle, et vous venez simplement, hop, je suis bien dans le champ, voilà, plier une fois votre papier uni en diagonale. Tu sais que si on veut s'aider, il y a juste à mettre le papier là, moi je le mettais là. Ah, pour le fixer? Oh, oui. Mais c'est pas bête ça. Bravo, effectivement, si vous le collez là, dans la petite encoche ici, vous êtes pile poil dans le bon angle. Génial. Bravo. Super. Voilà. Donc, ah ouais, ça tombe pile poil. Bah dis donc, je suis bluffée. Je suis bluffée. Effectivement, ça nous permet de maintenir le papier. Excellent. Bon bah voilà. Encore une petite astuce de plus. Coucou Dominique, comment vas-tu? Ok, le deuxième et maintenant le troisième. Hop. T'as des assistantes dans le live, toi. Oui, j'en ai. C'est vrai. L'apprenti dépasse le maître. T'as tout compris, Maroutine. La honte. Non, en fait, c'est la fierté, hein, clairement. Hop, voilà. Donc ça, je vais venir les plier, les assembler après. Tant que j'ai le coupe-papier avec moi, je vais m'occuper de la suite. La relève est assurée. Les enfants ont des idées, mais oui, carrément, Claudine. Puis je suis contente parce que c'est la première fois qu'elle ose comme ça parler devant vous, donc c'est trop cool. Hop, et du coup, je vais venir couper donc mon papier blanc et mon papier design en diagonale aussi. Le petit conseil, l'autre petit conseil. Pour la lame, lorsque vous avez à couper des pointes comme ça, ne démarrez pas à votre pointe, puisque du coup, en passant la lame, vous risquez de faire rentrer la pointe vers l'intérieur et de l'abîmer un petit peu. Okay? Donc, vous venez placer votre lame directement sur le papier et hop, vous remontez et vous redescendez. Voilà. Du coup, vous avez des pointes qui sont beaucoup plus propres. Bravo Lily, dit Patricia. Alors, hop, c'est parti. Je continue de couper tout ça. J'ai mis un matage, donc je coupe ou je plie. Alors, ton matage, ma belle, tu le coupes. Tu le coupes aussi. Le papier design, le matage ou le papier blanc, même principe, on coupe. Hop, voilà. Nickel. Et le petit dernier. De rien, Ticia. Hop. Et voilà. Ça, c'est ok. C'est bon. Je n'ai plus besoin de mon coupe-papier. Je peux le mettre de côté. En fait, quand on a compris la première truc, on comprend tout. Oui, après, ça va tout seul. Exactement. Hop, je mets ça de côté, voilà, et je vais donc venir monter la base de la carte. Je prends mon plioir, je viens bien marquer les plis. Au moment de plier, si vous voyez que à l'endroit de votre petite pointe, vous avez un petit bout de papier qui dépasse, vous prenez votre paire de ciseaux et vous venez hop, vous en séparer. Parfois on a un petit chouille de papier qui dépasse, c'est pas très joli. Donc on peut venir le couper sans problème.
Voilà, je viens plier mon second triangle et le troisième. Quoi? Rien. Qu'est-ce qui te fait rire? Non, t'as vraiment des assistantes dans le live. Ouais, j'ai en général, j'ai Sandrine ou Cathy, qui est super mignonne. J'ai Mumu aussi, qui reprend les mesures dans les commentaires pour aider les autres. C'est ça en fait les lives. Mmh. Tout le monde se rend service, tout le monde se donne un coup de main. On laisse personne galérer. Et c'est ça qui est sympa. Voilà, j'ai coupé mes petits bouts de papier qui dépassaient. Hop, oula. Et maintenant, on va venir assembler les morceaux de papier unis. Et je vais vous montrer comment. Donc, dans un premier temps, vous allez prendre le premier carré et vous allez le placer à plat devant vous. Vous voyez, j'ai la pliure comme ça. Hop. Ok, vous le placez comme ça devant vous. Le second morceau de papier va venir se placer ici. On va reformer un triangle, en fait, avec nos diagonales ici. Ok. Et le second, hop. Donc on va venir les coller en haut de la pointe du premier, côte à côte. Donc vous pouvez vous servir du pli du premier papier pour coller juste avant et juste après. Ok. Vous vous arrangez bien pour aligner, hein, ça sera plus joli. Ok. Et la petite astuce également pour... Parce que là du coup, vous voyez, vous avez la pointe ici qu'il ne faut pas coller. Hein, on est d'accord. Donc, ici... J'ai positionné la partie de droite. Je vais simplement la maintenir, d'accord? Et du coup, je sais que ma colle, pour coller celui-ci, je sais exactement où je vais pouvoir la mettre. Donc, je garde mon papier à droite maintenu. Voilà. Et je sais que, hop, je vais pouvoir venir mettre ma colle sans un fiche partout. Je viens coller ça, voilà, hop, bien à gauche de mon pli. Ça va, je fais pas de bêtises? Non. C'est, je te vois observer avec attention, en disant zut, pourvu qu'elle fasse pas de bêtises. Je suis pas à l'abri d'enfer, on est d'accord. Voilà. Zou. Et c'est parti, je peux coller ma deuxième partie. Ouais, c'est parti, hein. As-tu une astuce pour faire vivre plus longtemps les lames de coupe? Non. Malheureusement, plus tu les utilises et plus elles s'usent. Tu peux peut-être les faire passer sur du papier d'aluminium pour essayer de les limer un petit peu. Après, il faut toujours copier par exemple papier, enfin feuille par feuille et pas faire 2 par 2 ou 3 par 3 parce que la lame est trop fine, donc elle ne va pas supporter. Et du coup, attention, surveilleur général, t'as raison, Mimi. Voilà, mais la passer sur une feuille d'alu, par exemple, ça peut la l'aiguiser. Voilà, c'est le mot que je cherchais, l'aiguiser un petit peu. Et puis sinon, voilà, il faut, si vraiment tu l'utilises vraiment, vraiment beaucoup, à force, si tu vois que ton papier c'est filoche, essaye la feuille d'alu et sinon, il n'y a plus grand chose à faire, il faudra la changer. Ok? Alors. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, vas-y. Vas-y, je t'écoute. Mais ça, ça existe les trucs pour faire couper les lames? Pour aiguiser les lames, oui. Mais la lame du massicot, elle est vraiment toute fine et toute petite. Donc on peut peut-être essayer, mais je suis pas trop sûre du résultat, okay, là, pour le coup. Tu vois? Voilà. Du coup, la carte pyramide, c'est comme ça. Vous avez vu? Oui, il a lu, ça marche, mais pas très longtemps. Ouais, effectivement. Attention avec le papier photo, ça use les lames à une vitesse folle. Oui, exactement, oui. Pour les photos, si vous en avez une, essayez d'utiliser une guillotine plutôt. Ça coupe mieux la photo et puis ça évite d'abîmer les lames. Je fais une grande consommation, oui, c'est vrai. Alors, si le papier peluche, on peut utiliser une lime à ongles. Oui, oui, tout à fait, ça peut être la solution. La lime à ongles ou... ouais, t'as déjà essayé, ça passe pas. Pour aiguiser. Bon, bah tu vois. Ou les ciseaux pour enlever les petites peluches. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu agaçant, puis on a un petit peu l'impression de perdre du temps quand même. Hein, mais bon, voilà. Effectivement, ça peut être aussi une autre petite astuce. Alors, et ben, vous voyez,
C'est simple, hein? Vous comprenez un peu pourquoi on vous dit que c'est super facile et que du coup, bah, vous pouvez faire aux dimensions que vous voulez. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, Lily? Coller les papiers. Ah non? Quoi? Qu'est-ce qu'on fait avant? À mettre les aimants. Voilà. Comment je plie le bas, Martine? Je ne plie pas le bas, regarde. J'ai un carré en diagonale ici et les deux autres posés par-dessus. Et en fait, ce qu'on voit dépasser ici, c'est simplement le carré à l'arrière. Voilà. Et du coup, ça se referme comme ça, tout simplement. Ok? Oui, c'est ça, Marotine. T'as vu, elle avait trouvé la réponse, Marotine. Qu'est-ce qu'on fait? On met un aimant. Enfin, deux aimants plutôt. Selon la polarité de vos aimants. Vous savez, hein, j'ai horreur de ça, de poser les aimants. Moi aussi, j'y arrive pas. Ouais, c'est vraiment un truc... voilà. Après, ça dépend des aimants qu'on a. Hein. Donc, vous testez la polarité pour savoir où vous collez vos aimants, à l'intérieur ou à l'extérieur. Toujours est-il que la partie de gauche et la partie de droite doivent se rejoindre. D'accord? Donc, vous verrez si l'aimant ici doit être ici ou là, et pareil de l'autre côté. D'accord? Pour être sûr que ça ferme bien. Ok? Les étapes suivantes, coller le papier design à l'extérieur ainsi que en haut, le blanc ici, et s'amuser avec les, j'allais dire les Legos, non? Les décos. Instant litigieux sur Harmonie, les aimants. Oui, Marotine, je confirme. Les aimants ne sont pas mes amis. Alors, déjà là, ça devient compliqué pour moi. Si je fais ça, celui-là va être là. Ok. Donc, je vais le mettre à l'intérieur. Voilà. Et l'autre, si tout va bien. Comment je me suis plantée? Je me suis gourée. Voilà, ça y est. J'ai encore pas réfléchi tout de suite. C'est l'inverse. Si ça va là. Attends. Si, c'est bon. Il va comme ça là à l'intérieur. On ne se moque pas, je vous prierai. Hein, voilà. On peut pas assurer partout tout le temps. Hein. J'avoue, c'est un gros de mes problèmes, ça. Le fil blanc sur le bouton blanc, le fil rouge sur le bouton rouge. T'as tout compris, Marotine? Ah, moi, j'ai rien compris, mais... C'est pour illustrer le fait que je galère avec les aimants. Voilà. Ah. Hop, voilà, ça y est. Ils sont collés. J'ai encore gagné. Ah, t'as vu, c'est une pas mal idée, regarde. J'en ai fabriqué à Noël. Un en 10-10. Pour faire des marque-noms aux assiettes et les jeux fermés avec un ruban. Oui, effectivement, c'était une des choses que je voulais dire ensuite. Effectivement, on peut aussi s'amuser à les coller avec des... Enfin, la faire tenir avec du ruban. Tout à fait. Tu fais rire, Cathy. Allez-y, maintenant, je viens coller donc tous mes papiers à l'intérieur. Pouf, voilà. Voilà, donc le papier blanc que je mets ici, et puis les autres, ensuite ce sera le papier design. Lily, il faut que tu regardes la 7e compagnie, oui. Tu colles les deux, mais... Oui, Claudine, je sais, mais en fait là c'est des aimants autocollants que j'avais. Donc j'ai une petite pellicule à retirer pour qu'ils se collent tout seuls. Ça a un côté super pratique, sauf que j'ai toujours un souci avec la polarité. Voilà, bon, en soi c'est pas dramatique, on s'en sort toujours. Je gagne toujours. Pas toujours du premier coup, mais en tout cas, je gagne. J'ai un moment de doute de ce que tu viens de dire. J'avais. Pourquoi? J'ai cru que t'avais pas dit la polarité. T'avais cru que j'avais dit quoi? La bipolarité. Ah non. Non. C'était bien la polarité que j'ai dit. Hop. Et c'est parti. Maintenant, je vais coller mon papier design. Hop, je remets. C'est ça quand on fait chef. Tu m'étonnes. Voilà, on vient décorer. Et du coup, ça y est, ça sera fait. C'est qui le patron? Bah c'est moi d'abord. Non mais oh. Hop. Cette collection Noël au peinture, en peinture aussi, elle est vraiment super jolie. Tu l'as montré? Non. Même pas. Tu veux la montrer après? Ouais, je vais la montrer après. T'avais les papiers, non? Il faudra les sortir de la pochette, ma chérie. Por favor. Hop.
Voilà. Avec le rouge rouge, en plus, ça ressort super bien. Ça va être très sympa. Comment ça? Ah bon? Oui, oui, c'est moi le patron. Non mais. Vous pouvez vous amuser avec le papier design à utiliser le recto verso, hein, si vous voulez. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser toujours le même côté. Hop. Voilà. Recto à l'intérieur et verso à l'extérieur. Oui, exact, ça peut être ça aussi, effectivement. Voilà. Hop, hop, hop. Comme ceci. Bon, vous avez vu, c'est simple, hein. Je suis sûre qu'il y en a plein qui ont réussi à la faire en même temps. J'ai hâte de voir vos créations, vos adaptations, du coup. Oui, je suis sûre. Hop. Voilà. Et voilà. Hop. Vous avez vu, c'est tout simple. Hein, ça ressort super bien. Et du coup, pour ma déco, Lily, tu nous fais un live toute seule quand? Pas tout de suite. Ah, pourquoi pas? Pas toute seule. Ah bah, je resterai à côté. Je suis sûre qu'elle en est capable en plus. Je vais utiliser, hop, toutes ces petites décos. Donc ça, c'est pareil, ça fait partie de la collection. Noël en peinture avec, regardez, des découpes qui sont juste magistrales. Vous avez vu cette pomme de pin, on dirait une vraie presque. Les feuilles de houx, c'est vraiment super beau. Et puis il y a aussi après les embellissements, hop, des petites feuilles de houx dorées ici. Vraiment on verra. On verra, elle a dit. Hop. Allez, est-ce que ma pomme de pin va pas être trop grande? Qu'est-ce que t'en penses? Non, ça va, hein? Ouais, ça va. Ça va le faire. Allez, hop. On va venir coller tout ça. Et voilà. Tu mets ton sentiment où? Je vais mettre par-dessus. Okay. Attention, tu es enregistré. Hein. Et oui, oui. Tu vois, je vais le mettre dessus, là. Mais je vais d'abord mettre ça, peut-être. Hop. Si je mets mes petites feuilles là. Et là. Non, j'ai pas envie. Ça fait pas joli, je trouve. Je vais plutôt faire ça. Si, c'est beau. Tu as de l'aisance pour parler, Lily. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Je vous l'accorde, c'est vrai. Je vais mettre juste les petites feuilles de haut. Ça fait plus joli comme ça. C'est plus simple. Hein? Ça rend bien comme ça, non? Oui. Voilà, allez, c'est parti. Hop, je vais coller mes petites feuilles de houx dorées qui sont toutes jolies. Merci Marie, c'est adorable. Alors Marie, du coup, on arrive presque à la fin du live. Est-ce que ça vous plaît? Coucou Karine. Oui, il n'y a pas de souci pour le replay. Alors Cathy, j'ai... Attends, je crois que je sais. Ah, tu sais pour la couleur? Est-ce que ça serait pas... Non. Ça serait pas quoi? Couleur café. Oui, c'est ça. C'est couleur café, ma belle. Monochrome. Alors, c'est en deuxième génération. C'est-à-dire que tu tamponnes une première fois dans ton pad d'encre. Ensuite, tu viens déposer le plus gros de l'encre sur un brouillon. Et ensuite, tu fais sur ton projet, ce qui permet d'obtenir la teinte plus claire pour l'arrière. Et ensuite, en une première génération, pour la deuxième, c'est un tamponnage en deux étapes. Voilà, tu sais tout. Hop, ça je savais qu'elle allait pas vouloir coller comme il fallait. Elle. Mais c'est le papier que j'ai... Ouais, ah non. C'est les feuilles de houx qui sont un peu mais non. Dures à coller. Oui, mais je pensais que c'était ce que j'avais pris pour ma l'autre, mais non. Non. Le tour est joué, toc toc, bonjour. Elle est en forme, ma routine, aujourd'hui. Elle est très, très en forme. Je vais remettre un peu de colle. Parce que, du coup, elle a décidé de m'agacer. Voilà. Hop. Pour les cartes de vœux, c'est génial, ça. C'est pas trop grand, pas trop petit. C'est hyper original à envoyer, je trouve. Hein.
Il faut retrouver cette tradition d'envoyer les cartes de vœux pour la nouvelle année. C'est tellement agréable de recevoir une belle carte qui a été faite comme ça, à la main, avec amour. J'en ai jamais reçu. Non, t'en as jamais reçu, justement, c'est bien ça le problème. Hop, oui, Glue Dots aussi, effectivement, ma petite Cathy, t'as raison. T'en mets beaucoup. Ouais. Comme ça, il n'y a pas de trou. Quand je vais la coller, ça sera uniforme. Et voilà, le temps des fêtes. Hop. Ah bah du coup, voilà, la vilaine, elle a décidé de bouger, mais c'est pas grave du coup. Et voilà, elle est maintenue avec. Oui, à plat. Normalement. Tu l'envoies à plat. Oui, quand c'est un petit modèle, c'est ça. Allez hop, on enverra tous une carte à Lily. Ah bah alors là, à mon avis, elle va être contente si vous faites ça. Coucou Hélène, merci beaucoup, c'est adorable, j'avais pas vu que t'étais là. Comment vas-tu? Oui, Martine, hop, tu la mets à plat comme ça et tu la mets dans une enveloppe. Pour les petits modèles. Hein. Ah, pas nouvelle en scrap, Marie. Oui, oui, mais nouvelle sur mon live, c'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. Alors, Lily, tu as fait un appel, tu vas avoir une avalanche de cartes. Trop cool! Ça va être top. Et la petite touche finale, des petits bijoux classiques du Rhin champagne qui sont très jolis pour rajouter un petit peu de brillant. On lance. Vous êtes trop fort. J'adore. Voilà, un petit peu de doré et de brillant que je vais mettre sur mon étiquette ici. J'ai un truc à dire. Oui, je t'écoute. La pince, elle est trop bien. Ouais, je sais. Ouais, c'est pas Stampin' Up. Malheureusement, mais c'est vraiment que ça nous sauve la vie. Carrément, la boîte aux lettres va être assaillie. Alors, Marie, qu'est-ce qu'elle me dit? Attends, je colle. Oui, c'est ça, super sympa votre live. Ah, merci Marie, c'est adorable. Je suis ravie que ça vous ait plu en tout cas. Voilà, la petite touche de brillant. Attendez, hop. Voilà, si mon zoom voulait bien se faire. Voilà. La pomme de pain, on dirait une vraie. Les petits brillants ici, les étiquettes, elles font partie de la même collection, du coup il y a plusieurs tailles, c'est vraiment le top du top. Et donc voilà, ça y est, ma petite carte pyramide version Noël est terminée. Je vais mettre ça de côté pour que vous ayez un peu plus de visibilité. Voilà, zou. On pousse tout ça. Donc on avait la version Splendid Fantasy que j'aime beaucoup, la version Noël un peu plus traditionnelle en petit format. Voilà, maintenant vous savez comment faire pour, comment dire, modifier en fait vos cartes pyramides. Merci Karine, merci Fabienne. Et la collection. Pour fermer, j'ai mis des rondes velcro. Oui, bien sûr Claudine, les rondes velcro c'est faisable aussi. Et donc la collection que j'ai utilisée pour le live aujourd'hui, c'est Noël en peinture. Voilà. Donc là, vous avez les papiers recto verso à chaque fois. Bon courage ma petite Karel, gros bisous à toi ma belle. Donc recto verso et les papiers unis coordonnés ici. Donc rouge rouge, riche raisin, épinette enivrante, vert jardin, soyeuse succulente et couleur café. Voilà, donc la couleur de ma pomme de pin ici. Voilà, vous avez vu, c'était simple, hein. Je vais rebasculer, hop, ma caméra, ça y est. La mère et la fille se redressent, ont fini leur live. On espère que vous avez passé un bon moment, en tout cas. Je pensais pas, du coup, que ma Lily irait jusqu'au bout, mais je suis ravie. Merci beaucoup d'avoir été là. N'oubliez pas de nous inspirer, vous aussi, avec vos créations. J'aime beaucoup celle de Lily et les vôtres aussi. Merci Corinne. Tu peux me tutoyer aussi, du coup. Hein. oui, donc de poster donc, vos créations jusqu'à demain soir sous le live en dessous, dans les commentaires. Je ferai un tirage au sort, du coup, parmi les participations. Et puis, bah, vous choisirez la carte que vous voulez recevoir. Mais voilà, partagez, partagez. Merci Chantal, merci à toi. N'hésitez pas, inspirez-nous.
Et puis inspirez les autres aussi. N'hésitez pas à dire ce que vous avez utilisé comme matériel aussi, ce que vous avez fait, ce que vous avez envie de faire. Enfin bon, bref, faites-vous plaisir surtout. On a hâte de voir vos créations. Je montrerai tout à Lily aussi. Elle regardera. Oui, il y a plein de petits cœurs. C'est top, hein? Ça fait plaisir. Hein? Oui. Ouais. Et puis du coup, je n'oubliez pas, hein, si vous avez envie de rejoindre mon équipe, Lily, donne ton adresse pour la carte de vœux. Je te l'enverrai en MP, Claudine, il n'y a pas de problème, en message privé. Donc, la promo, hein, si vous voulez rejoindre mon équipe, tu crois qu'elles vont avoir envie de rejoindre mon équipe? Oui. Tu crois? Sinon, c'est pas normal, mais oui. C'est gentil. Ça va, tu crois que je suis une bonne marraine? Oui. Ouais? Bon, super. Donc, rendez-vous si vous le voulez, si vous avez envie de sauter le pas. Je vous donne donc rendez-vous vendredi à 10h pour que je puisse répondre à toutes vos questions. Ça marche? Ok? Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, très jolie carte, merci pour ça. Merci Marie-Paul, j'espère que vraiment ça vous a plu. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. En tout cas, pour nous, ça a été un super moment. Hein? Oui. Ouais, franchement, je pense qu'on va s'en souvenir un moment de ce live 81. Merci Marotine, merci Coco. Oui, oui, très bonne marraine, une marraine au top. Merci beaucoup les filles, vous êtes des amours. C'est trop gentil. J'ai déjà chaud, ça tombe bien, ça va moins se voir que je rougis. Alors, je vous souhaite à toutes un excellent après-midi. Prenez bien soin de vous si vous êtes encore en vacances. Sinon, accordez-vous du temps pour vous. C'est important. Merci Fabienne. Merci Viviane, merci Marie. Et puis on se donne rendez-vous donc pour certaines parmi vous samedi matin à 9h30 pour la crop. Et puis à 11h vous verrez donc le projet du prochain live. Et puis du coup on se retrouve mercredi prochain à 14h pour un nouveau rendez-vous créatif. Oui, je t'embrasse aussi maman. Tu n'es pas ma marraine, mais je t'adore. Oh, Patricia, t'es trop mignonne. Bah non, t'es pas ma filleule, mais t'es ma cliente et moi, je t'aime beaucoup aussi. Allez, on vous embrasse toutes très très fort. Oui. Et à très bientôt. Bye bye. Au revoir.